Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and we'll see in this video together les expressions, and well, more precisely, we'll see only one French expression. So the expression is être en état de faire quelque chose. Être en état de faire quelque chose. Okay, and then you can see the translation right here in English. And let's take an example. Un exemple. Je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui. Je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui. So actually, I wanted to put, well, the same expression, but then at the negative form, just to show you how it will work anyway, because you can see that, as usual, you will have to put ne and then pas, so before and after your verb, and in that case, the verb is être, okay? Être en état. So, it should come here, je ne, and then suis pas en état de faire mon exposé. Well, mon exposé, it's like my presentation, so to present something in front of an audience or a class, aujourd'hui, today. Je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui. Okay, so keep in mind the expression être en état de faire quelque chose. I hope it was clear. Have a great day. Au revoir et à bientôt.